Oh, what? Pas mal, pas mal, pas mal. Dans cette vidéo, on va s'ouvrir 1000 clés secrètes pour essayer d'avoir le huge axolot. Donc c'est parti. Concours les gars pour gagner une potion niveau max et un livre niveau max. Et pour participer, c'est très simple. Vous mettez votre pseudo dans les commentaires et puis bonne chance à tout le monde. Et si jamais il y en a qui veulent me faire des cadeaux, comme ce petit monsieur très mignon, et bah vous allez juste ici, vous faites envoyer Roblox username P majuscule prince END, E minuscule et E majuscule. Et puis ensuite, vous pouvez mettre des messages, des animaux, des gemmes, etc. Merci à tous et bonne vidéo. Dans la dernière vidéo, il y avait un concours pour gagner 100 cadeaux. Donc parmi tous les commentaires, on va aujourd'hui prendre le vainqueur. Du coup, c'est parti. Pour tirer au sort le vainqueur, on met l'URL de la vidéo YouTube et on fait pick random comment et c'est parti. Attention, le hand spinner et c'est Emma de Forge. Je participe, c'est Jules Def 1 et bonne vidéo. Du coup c'est parti, on est dans le jeu, on va directement envoyer le cadeau à Jules. Bien joué, tu as gagné. Hop. Et donc on lui met les 100 cadeaux. Envoyé. Boum, boum. Envoyé. Tadam. Cadeau envoyé. Et dans cette vidéo, je pense qu'on va faire uniquement l'arbre. Parce que vous le savez, mais il y a deux autres endroits dans le Far West. Et un endroit où une roue à clé. Let's go. Allez, allez. Là, je vais devoir faire tout à la main. Ça va être très long. Mais bon, pourquoi pas. C'est la vie. Go, go, go. D'ailleurs, je vais quand même vous le montrer juste vite fait. Du coup, nous voici devant le deuxième endroit. Et ici, les gars, c'est l'endroit où je vous ai parlé. Avec les trois coffres. Et je vais vous montrer. En gros, il y a trois coffres qui apparaissent. T'en choisis un. Donc là, par exemple, admettons que je veuille celui-là. Hop, voilà, j'ai une jolie potion. Et du coup, après, les deux coffres, ils vont s'ouvrir. Et si jamais on voit un huge, et bah on a le seum. Par exemple, vous voyez que là j'ai eu la pire potion parce que la meilleure elle était à gauche. Le problème de cet endroit c'est que si t'ouvres le mauvais coffre, et bah tu perds ta récompense. Parce que si jamais tu vois le huge à gauche ou à droite et toi t'as choisi au milieu, et bah tu ne l'auras jamais. Donc c'est un peu triste. Hop, par exemple là regardez, j'ai une petite potion. Et dans les deux autres coffres, qu'est-ce qu'on va avoir? Attention, une botte et une clé. Vous voyez, là j'aurais pu avoir une meilleure chose, donc une clé incroyable. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et du coup, nous voilà devant le troisième endroit de clé secrète. Et celui-là, s'ils l'ont pas changé, ils l'ont pas changé. Et en gros, vous avez juste des clés, voilà. Bon, après, si t'as 50 clés, en vrai, c'est pas mal. Mais bon, c'est quand même un peu nul. En fait, c'est juste un truc pour avoir des clés, tu vois. Donc là, par exemple, j'ai eu le pire. Donc 40% de chance. Et j'ai une clé. Ça coûte 13 000. Sachant que les clés violettes, elles valent beaucoup plus cher. Attendez, 60 000. Donc vous voyez, c'est pas très rentable. Les gars, je suis obligé de vous filmer. Mais regardez, l'abonné Glitch Red Guy, c'est vraiment le GOAT. 4 millions de gemmes. Bah ouais, mec, c'est trop le GOAT. Oh là là. Il m'a donné 76 clés. Wesh, le GOAT. Un max de merci dans les commentaires. C'est trop trop le boss. Du coup, c'est parti. On continue une autre petite clé. Allez, c'est parti. Et hop, nul. Dès qu'on voit qu'on a des trucs nuls, on a juste à requitter et on recommence, hop, et on enchaîne. C'est parti. Les premières, je vais les faire tranquille avec vous. Et après, les gars, je vais tryhard tout seul. Je vais filmer et puis bam. Ok, là, on a juste à appuyer sur le bouton, je pense. Boum, 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 on enchaîne. Hop, dès que c'est bleu, on rentre dedans. Je sais qu'il y en a, ils ont des bugs. Des fois, ils arrivent pas à rentrer dans la porte. Oh, ouais, non, pas haut, en fait, c'est nul. Tant que l'item ne vaut pas 60 000 gemmes, c'est que c'est pas rentable. On n'oublie pas. J'ai failli me faire avoir en croyant, ouais, c'est une potion, c'est stylé et tout. Mais non. Non, non, non. On se fait pas avoir ici. Ok. Une clé. Bon. Toujours, toujours nul. Toujours nul. Ça vaut pas 60 000. On se fait arnaquer. Les gars, les gars, les gars. Les gars, Glitch Red Guy, il m'a encore offert 110 clés. C'est vraiment le GOAT, ce mec. Oh là là. Bah, merci beaucoup à lui. Oh là là, incroyable. Allez, on continue. Ça serait incroyable, les gars, si on a le huge dans cette vidéo. Honnêtement, je vais vous dire la vérité. Je n'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout, du tout, du tout. Mais bon, peut-être qu'on va l'avoir. Mais j'y crois pas. En fait, j'ai eu trop de chance récemment, les gars. Donc, c'est impossible que je l'ai, genre. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Frère, Tim, laisse-moi tranquille. Je suis en train d'ouvrir des clés. Ah, lui aussi, il veut en ouvrir, je crois. Ok, on continue. Hop. Putain, je perds 60 000 gemmes à chaque fois, là, dès que j'en ouvre. Mais pourquoi? Les gars, je vais changer de serveur si ça continue. Je suis avec un mec qui me suit, là. Il me colle. Arrête de me coller, Tim. Les gars, on est avec Trexis. Et les gars, il veut me donner 119 clés. Wesh, c'est trop, trop, trop le boss. Il est trop gentil. Un max de merci dans les coms. C'est une dinguerie. Regarde, qu'est-ce qu'ils font, là? Punaise. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je veux faire ma vidéo. Ok, des bottes. Alors là, j'ai eu le pire truc du monde. Ok, on continue. Hop, j'ouvre à l'envers carrément. Alors, vous savez ce qu'on va faire déjà?
Hop, montrer les animaux des autres. Voilà. Comme ça, Tim, il va arrêter avec tous ces animaux qui sont moches en plus. Oh, une clé. Ok. Une clé du Tech World, pas mal. Alors que le Tech World n'existait même pas quand cette clé était sortie. Ok, on continue. Ah, mais du coup, il y a le bug malheureusement. Un peu chiant, un peu chiant. Allez, on continue, on continue, on continue. Ouais, bon, pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Les gars, Trexis, c'est vraiment le GOAT ultime. Regardez, 250 clés. Je suis choc barre. 15 millions de gemmes. C'est vraiment le boss. Voilà. Oh là 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 là. Un max de GG. Déjà, si on peut avoir plein de trucs différents, c'est bien. Prince, j'ai un truc pour toi. Désolé, mon petit nono. Mais là, tu vois, je suis occupé. Allez, on continue. Attention. Petite potion, ouais. Elle vaut. Ah, attends. Non, 7000 ou 70 000? Non, 7000, je pense. J'ai cru voir 70 000, mais je pense que je me suis trompé. Ça m'étonnerait qu'elle soit à 70 000, vu qu'elle a l'air pas ouf. Ok, un livre pourri, pourquoi pas. Je me demande si les caca, ils sont pas même plus chers que le livre pourri. Ça se peut, hein. Allez, on continue. Allez. Tim, il fait comme moi, mec. Mais Tim, ce que tu sais pas, c'est que j'ai plus de clés que toi. Jamais tu ne pourras me rattraper. Un jour, tu vas devoir abandonner. Ok, les gars, j'ai racheté 127 clés parce que j'en avais pas assez, malheureusement. Donc, c'est reparti. On y retourne. Allez, on continue, on continue. Nono, il fait des danses. Il veut passer dans la vidéo, lui, je vous le dis. Le petit filou. Ok. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok, un livre pourri. En fait, ce qui est bizarre dans ce jeu, c'est que il y a plein d'items assez rares qui sont tellement nuls et qui valent rien. Par exemple, le livre qu'on vient d'avoir, les gars, c'est la première fois qu'on l'a, alors que. Enfin, dans le mini-jeu, je parle. Alors que même ça, regarde, le charme, mec, il doit être tellement rare. Il doit être tellement rare alors qu'il vaut que 700. Il vaut juste 700. 700 diamants, alors qu'il est ultra rare. C'est une dinguerie. Ok, on continue. Hop. Des trucs pourris. Bon les gars, maintenant ce qui va se passer, c'est que je pense que je vais ouvrir tout seul. Et puis je vous retrouve quand on a fini de tout ouvrir. Ou alors, si on a de la chance. Oh, what? Pas mal, pas mal, pas mal. Wesh. 7 millions 2. Wouah. Wesh, la dinguerie. 7 millions 2. Bah, je le prends direct, frère, wesh. Charm royalty. Bah, ça me rembourse de ouf. Let's go. Oh! Oh! Deux trucs stylés. 96 000. La nouvelle rareté des livres et un charme à 200 000. Oh là là, incroyable. Oh! Wesh, incroyable. Putain, non, je viens de changer. Les gars, je viens juste de changer de serveur. Wesh, je viens juste de changer de serveur. Il n'y a plus tous les abonnés. Et je gagne quoi? Un royalty charme. What? J'étais avec les gars au moins genre 8 ou 9 abonnés. Je change de serveur parce que je lag. Et wesh, la dinguerie. Bon les gars, ça fait énormément d'heures que j'ouvre des clés. Il est actuellement minuit 20 chez moi. Et j'ai commencé aujourd'hui à 14 h. Ça fait genre au moins 6 h que j'ouvre des clés. Et c'est même pas une blague. Et là, il m'en reste seulement 8. Donc on va faire les 8 dernières ensemble. Et puis si j'ai pas le huge les gars, eh ben, je devrais abandonner pour cette fois malheureusement. Ça sera le premier huge qu'on n'aura pas en vidéo. Parce que si vous avez vu les deux autres openings de huge, eh ben, on avait eu déjà le huge à l'époque. Enfin à l'époque, il y a quelques semaines. Mais du coup là, bah les gars, ça sera la première fois où je n'aurai pas le huge. Mais on m'a dit, il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit que le huge axolot, il était très 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 rare. Parce que oui, le huge qu'on cherche, c'est le huge axolot. Et apparemment, il est vraiment très rare. Il y en a genre 1000 ou 2000 qui existent, etc. Et puis en plus, les clés, les gars, elles coûtent quand même 60 000. Alors que les clés bleues, elles coûtent genre même pas 10 000. Donc bon, c'est un peu triste. Parce que les clés coûtent super cher, le huge est super rare. En plus, tu peux pas les ouvrir en boucle en boucle. T'es obligé d'ouvrir la porte, d'attendre que ça charge pour rentrer dedans. C'est très 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 chiant. Mais bon, on en a quand même ouvert. Regardez, vous voyez, 13 000. Ça vaut rien les bleus. Du coup, voilà les gars, c'est incroyable. Et puis, vous savez ce que ça veut dire les gars? Ça veut dire qu'il y aura une partie 2. Ok? Vous êtes chaud ou pas? Moi, je pense on fera une partie 2. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on a quand même eu des trucs incroyables dans cette vidéo les gars. Les charmes, etc. C'était vraiment incroyable.
ça vaut quand même 7 millions, etc. Donc c'est quand même super. Donc, bah, j'ai envie de vous dire, on remettra ça la prochaine fois, hein. Donc voilà. Et du coup, je pense que c'est la dernière là, fais voir. Ouais. La dernière clé, les gars. Merci encore aux abonnés qui m'ont donné des clés. Et puis merci à moi aussi d'avoir dépensé beaucoup de millions de diamants. Et pour la dernière, vous savez quoi? Au lieu de prendre un caca, je vais prendre la botte, what? MDR, la botte, elle est buggée. 28 000. 28 000. Ça vaut pas 28 000 normalement une botte. Ok, bref. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous a plu vraiment. Vous imaginez pas le prix énorme, ça coûte tellement cher. Donc on fera une deuxième partie. Et dans la deuxième partie, les gars, on aura le huge, vous inquiétez pas.